Et bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, dans la seconde partie du test de Conan Exile. On avait fait une première vidéo où on voyait un petit peu ce qui se passait dans les terres de l'exil, et je m'étais dit, tiens, on va tester l'île de Sipta. Sauf que, comme vous pouvez le constater, sur l'écran, il faut acheter le DLC. On n'a pas le DLC, donc on peut pas y aller. Donc RIP, on va partir dans les terres de l'exil. Je pense qu'on va faire ça, tout simplement. Apparemment, de toute façon, la carte est meilleure. Apparemment, je dis bien. Donc, Exiled Land. Ah ouais, il n'y a que deux îles, d'accord. Donc on va jouer juste en mode comme ça. Et donc on va refaire ça proprement. On va faire ça proprement, pourquoi? Parce que le premier épisode, j'avais fait tout n'importe quoi. J'avais couru dans tous les sens. Je vous invite à voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Là, on va faire les choses plus correctement. On va suivre un petit peu. Je vais essayer d'être concentré sur le système donc de craft. Mais je pense très sincèrement qu'en fait, on n'a pas suivi le tuto. Donc en fait, ça nous a pas donné ce qu'il fallait. À moins que j'ai pas compris un truc. C'est possible. On peut être un peu débile aussi. Bon, jouons! Y'a déjà une sauvegarde, vous l'écrasez? Oui! On va faire ça correctement. Bon, c'était bien cool en tout cas. J'avais beaucoup aimé. Dommage qu'on puisse pas avoir l'autre île. Bon, après, un petit DLC. Voilà. Il est déconseillé de manger de la neige jaune. Oui, surtout si c'est jaune parce que quelqu'un a pissé dessus, un animal ou je ne sais quoi d'autre. Hein, quoi d'autre, hein, évidemment. Ou alors parce qu'elle est pleine de saloperies. Je vais jouer un homme. Vous savez quoi? On va changer, tiens. On va changer. On va faire une femme. Premier épisode, on a fait un homme, on va faire une femme. Alors, qu'est-ce qu'on joue comme peuple? Évidemment. Voyons, cimérien. Moi, j'ai envie de jouer cimérien, je suis désolé. Hein. Mais le peuple des cimériens, quoi. Au bout d'un moment, Conan, bordel de cul. Religion! Allez, on va tester Ymir cette fois-ci. Ok. Voix. The gods cut me down. Death has come. Cut me down. Cut me down. Death. The gods. The god. Death. Cut me. The gods. On va prendre stoïque. Option de tête. Voyons un petit peu. Ouais. Elles sont mignonnes. Elles sont très jolies. Wow, Zef, hein. En vrai, je vais pas vous mentir que je m'en fous un peu. Hein. On va faire Red Sonja. Non, mais ouais, barbare, hein, barbare, voilà, rousse, visage, je suis désolé, t'as pris le soleil quand même, faut pas déconner, vous êtes en plein milieu du désert non-stop. Sourcils, rousse. Phare à paupières, rousse. Comment ça, phare à paupières rousse, Coltor? Ouais, compris. Bon, on va laisser ça comme ça, même si bon maquillage, Joseph, en vrai. Lèvres, puf. On a quoi? Non, non, pas de maquillage, hein. Oh là là, on est des barbares, s'il vous plaît. Mâchoire, on va laisser comme ça, joue, largeur, angle, taille, ouais, tout ça, un signe distinctif. Est-ce qu'on peut... On va voir si on... On va voir l'affaire la plus petite, voir un petit peu ce qui se passe. Nudité aucun. Taille des sens, on s'en fout, hein. Ouais, évidemment, on s'en fout. On va laisser un truc normal, on va dire. Genre ça, je vois pas trop, mais bref. Physique, bam. Musclé, faut pas déconner non plus. Finaliser le personnage. Tu vas pas t'appeler Coltor, hein, tu vas t'appeler Lune Étoile. Voilà. Lune Étoile. Ah, vous savez comment on l'appelait? Ouais, non, si, on va l'appeler Lune Étoile, tiens. Lune Étoile. Allez, hop. Bam, confirmé. Donc ça, on a déjà vu. On a déjà vu le comment ça s'appelle? L'intro. On va passer. Si, on peut. Magnifique. Ok, voilà. Elle est là, Lune Étoile, elle est prête à casser des culs. Us, 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 us. Bon. Fouillez l'épaisse fumée dans le sud du désert pour tenter de trouver d'autres exilés. Voilà, y a rien. Cherchez... des provisions dans les environs, dans les cadavres, tout ça, y a rien. Évidemment, parce que c'est là. Voilà, on va faire tout ramasser. On doit s'hydrater, utiliser les outres. Parfait, récolter dans les buissons. On suit le tutoriel, cette fois-ci on arrête de faire les cons. Et ça va mieux se passer. Voilà, ça c'est bon. Donc confectionner des habits. Faisons, on va déjà faire un torse, hein. Hop, ensuite des jambières, hop, ensuite des brassards, j'ai passé, nickel, des bottes, j'ai passé, nickel, on va le faire. Hein. Gagner un point de caractéristique, peuvent être dépensés pour améliorer les caractéristiques dans la rubrique tatati tatata. Nanani, nanana, tout ça, tout ça. Nanani, nanana, nanani, nanana. Donc du coup j'ai envie de monter l'agilité moi. En fait c'est meilleur, hein, je pense, l'agilité au final. Ah non, ça on peut avoir, ah ouais, on peut avoir quand même... Parce que l'agilité, ça te permet de taper plus vite. Non, pas taper plus vite. Faire des dégâts. Plus de dégâts avec les armes rapides.
Agir après une esquive, donc t'esquives, tu peux taper rapidement derrière. Et en plus, t'augmentes ton endurance. Ça me paraît être complètement goldé, ça. Ah, récolte des ressources. Rapporte deux fois plus. Ah, c'est bien ça, cran. En général. Ça, j'aime beaucoup aussi l'armure de 40 et l'endurance de 20. J'aime énormément. Vous savez quoi? On va monter ça. J'ai envie d'aller là. Au moins ça, là, pour augmenter l'armure et l'endurance. Ça me paraît très cool. Suivez-la si vous voulez voir d'autres trucs. Allons-y. Je vais ramasser ces merdes là. Tant qu'on est sur le chemin. Parce que j'aimerais bien me faire l'armure complète. Voilà. Hop là. Wouhou! Du coup, je peux craft, hein. Gants. Bottes. Ça craft tout seul. Elle s'en équipe. Yes. Elle s'en équipe toute seule. Ah, oh, c'est génial. Donc très bonne découverte, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode. Vraiment très très cool. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et ça, c'est de la jauge d'XP. Tout en merde. Tout au-dessus de la barre de vie, je pense que c'est la jauge d'XP du coup. Allez hop. Ouais, casse-toi, hein. Ouais, c'est bien. J'ai eu peur en vrai, j'étais en mode ouais, casse-toi, mais on va récupérer ça. Des petites pierres. Oh putain, j'ai eu peur. Une porte a claqué chez moi à cause du vent, tout va bien. Les branches peuvent servir. Ok, ramassons des branches. I put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. I've yet to meet a beast that liked fire or the bite of the axe. Ok. Pioche. Faisons une pioche. On doit faire une pioche. C'est parti. Nickel. Cassons des cailloux. Parfait. Ah, vous avez la possibilité de débloquer le savoir guerrier, cogneur ou maraudeur à partir du menu des savoirs. Vous pouvez fabriquer une arme en pierre à partir du panneau de... Ouais, bon, d'accord. Donc elle veut que je fabrique... Il veut que je fabrique une arme en pierre. Donc savoir. Qu'est-ce qu'il veut dire par maraudeur, par contre? Guerrier. Ah, guerrier. Défenseur. Cogneur, maraudeur, couillon que je suis. D'accord, donc on débloque le maraudeur. J'aime bien les dagues, on va tester. Donc j'ai débloqué les dagues. Ce qui fait que maintenant je peux craper. Voilà, des griffes en os, des dagues en pierre. On va prendre des griffes. Olé. Il faut des os, des branches et des ficelles. On va faire ça, hein. On va faire des dagues en pierre en fait, hein. On a une lance aussi. Oh, la petite lance là. On va faire une lance. Tous les jours, la lance, c'est OP normalement. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour la lance? Il me faut des branches. Ok, je suis juste trop con en fait. C'était les menus qu'il y avait. J'avais pas trouvé ça en fait dans le premier épisode, c'est pour ça que je dis que je suis trop con. Très bien, donc faisons une lance. Toujours pas? Ah, toujours pas, hein. Faisons une lance. Tadam! Ouais, nickel! Carte accessible à tout moment. M. Donc on s'était baladé un petit peu partout là, histoire de voir un peu ce qu'il y avait. Et là on va suivre le chemin. On va faire ce qu'il va nous dire le jeu. Là le jeu nous dit de suivre le chemin. Allons-y. Voyons. Ok. Ah ouais, d'accord, comme ça. Et en attaque lourde. Non. Ok. Rends-moi ma lance. Ok, ça marche. Paillasse peut servir de point de... Oui, on va en crafter une.
petite paillasse pour pouvoir se reposer et sauvegarder. On va en crafter une là tout de suite, hein, de toute façon. J'aimerais bien au moins aller jusqu'à l'eau quand même. Pas déconner. Et du coup, j'espère que ça fait très mal, hein, si on jette la lance, hein. J'espère que ça one shot, hein. Voyons. Ah oui, ça a l'air, hein. Elle est où ma lance? Quoi? Je sais pas ce que c'est que cette merde, mais on va le boxer, hein. Ok. Peux me rendre ma lance? Oh, j'ai plus ma lance. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Bon, la lance, ça fait beaucoup de dégâts, mais par contre, ouais, rip quoi. Bon. On va refaire une? On va refaire une. On va faire une paillasse. Ah, je peux pas. Faut de la ficelle? Des branches. Ah oui, ficelle. Bon, faut combien de ficelles? 3. C'est bon. Donc là, il faut des branches maintenant. Ok. Hop. Paillasse. Fabriqué. Une seule paillasse. Oui. Bon, là, ça se fout sur la gueule. Mais déjà, c'est un nouveau type de mob. On l'avait pas vu, lui, ce con là. Moi, je pense que je vais descendre. Hein. Aïe. Oui, voilà. On va se mettre par là. Ça me semble être plutôt pas mal. Oh. Allez, on va mettre le dodo ici. Très bien. Ok, interagir. Boum! Indique les actions lorsque vous maniez une arme. Oui, j'ai vu. Genre, je peux faire ça. Ouais. Sortez votre arme et tuez un ennemi. Let's go. Hein. T'es où? Je t'ai vu! On va aller là, hein. Ah ouais, vraiment, vous tabassez un croco, vous. Il est genre énervé comment, le croco? Ah, il est énervé, hein. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Mais vas-y! Ah, je l'ai planté, mais ça l'a pas tué. Ok, il va falloir faire gaffe, elle fait mal, hein, avec son gros marteau là. Oh, cette baffe! Ah bah d'accord, hein. Moi je pensais que j'allais faire des petits pocs avec la lance là. Pour piquer le cul des mobs, mais non. C'est pas grave, on y retourne. C'était juste à côté. Les bandages vous permettent de vous guérir lorsque vous êtes blessé. Les plus basiques, bla 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 bla. J'ai gagné un niveau. Où es-tu? Où es-tu? À moi? Je peux me dépecer? Excellent. Ok, je me ramasse moi-même. Et du coup, il n'y a plus d'ennemis là. Si, il est là-bas. Je te vois, hein. Micheline. Ouais. Elle est costaud, hein. Aïe. Wow. Ok, on va y aller doucement. J'ai pas une arme pour, en plus. Des petits pocs. Bah alors. Us. Us! 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 À moi! Us! J'ai dit! À moi! Ok.
Excellent tout ça! Bon, j'ai fait un peu de la merde, mais c'est pas grave, hein, on va dire. Écoutez, hein, on débute, on fait ce qu'on peut. Bon, ok, ça c'est fait. Tu veux que je crafte un bandage? Faisons un bandage. J'ai dit. Faisons un bandage. Hop! Non, hop! Voilà. Trop bien, j'ai mangé un truc dégueulasse. Je suis extrêmement content. Prélevez tout ce qui peut l'être sur un cadavre. Vous permet de récupérer les ressources utilisables pour faire la cuisine. T'as des dépôts ainsi que... Merde! Ça, il faut surtout l'enlever, hein, en fait. Hein, parce que j'ai remarqué que... Ouais. Lance en pierre. Pique en pierre. Pique en pierre. Ah, mais c'est ça qu'il me fallait! C'est ça! Quand je parlais de poker les gens, là. Mettre des petits coups dans le fion. En mode de... C'est exactement ça. Parfait. Du coup, il faut que je retue un truc. Psst. Hé. Hey. Psst. C'est trop fort. Bah alors, on n'arrive pas à avancer? Excellent. Bon, très bien. Donc du coup, je peux faire ça. Tac. Apporter de l'eau. Remplir, sélectionner votre inventaire. Ah non, mais attends, tant que je suis là, je vais aller récupérer les œufs. Hein. C'est pas fait chier à tous les tuer pour rien. Oh, des lapins! Ou toi? Ou non. C'est pas ce que je... Non mais... En fait, non hein. Ouais mais... Ici. Ici! Raté. 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 C'est un lapin amphibien! Où je... Ah, quand même! Putain, il avait l'ultra instant ce lapin! Bon, ça, ça va là. Ça, ça va là. On ne prépare pas à manger parce qu'après il va falloir ouais, faire cuire tout ce bordel. Bon, allons chercher les œufs, j'ai dit! Petit œuf à la coque là? Sacré œuf à la coque, mais. Hein, bonjour. Nyom, 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 les petits neufs. Bon, du coup, ça c'est bon. Il faut que je remplisse ma gourde. Déjà, je vais boire. Ah, on voit la jauge de flotte dans la gourde. Ça va, les jauges sont assez grandes, hein. Et du coup, je peux faire... Hop, attendez, hop là. Donc ça c'est bon, vous pouvez débloquer cuisinier primitif à partir du menu des savoirs. Fabriquer un feu de camp. Donc cuisinier primitif, savoir... C'est ça. Cuisine primitive. Débloqué. Ok. Et donc du coup, il faut que je fasse un feu de camp. Ben, faisons un feu de camp. Hop, 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 hop. Donc déjà, je vais retourner là-bas. C'est ici que j'avais foutu ma paillasse. Yes. Bon, c'est dégueulasse en vrai. Hein. Mais bon, hein, ne jugez pas, s'il vous plaît. Donc, feu de camp. Hop, hop, hop. Et on va le poser là. Hein. On est bon. Ouvrir l'inventaire du feu de camp. Pendant qu'on le regarde. Interagir. Donc, on va mettre de la viande. Et... J'ai pas de bois. Hein. Attends deux secondes. Faut que je crafte ça.
Oh cette merde, j'en ai partout des trucs. À l'aide. Hein. Non mais vraiment. Hein. Mettre l'âge là. S'en foutre là. S'en foutre avec ça. Et s'en va foutre ça là. Et voilà. Donc hop. Alors ramasser un peu de bois pour faire cuire à manger. Bon. Là. Donc maintenant c'est bon. Je vais foutre du bois. Et on fait ça. Yes. Il en faut 30 des os. Hein. Des os, pas des os. Donc on peut récupérer ça. On peut récupérer le miam miam. Excellent. Il faut la manger. Miam miam miam. Excellent. Sélection d'un périple. Et voilà. Abri de survivants. On va prendre ça du coup. Hein. Pionnier. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, fabrique des meubles. Ah mais non, on va d'abord faire un abri, non? Ouais, non, on va faire d'abord ça. Hein. L'ensemble périple. Donc, apprenti maçon. Hop. Apprenti maçon. Débloqué. Ok. Ah et voilà, je peux débloquer les caisses et tout, tout simplement. Équipez-vous de votre hachette en pierre et servez-vous-en pour frapper des arbres. Ah d'accord. En fait, c'est juste que c'est ça. Hein. J'avais fait n'importe quoi au tout début, hein, dans l'épisode précédent. Marteau de construction sert à construire des bâtiments. Faisons un marteau de construction. Ok. Bâtir des fondations. Donc du coup c'est bon. Fondation. Ouais. Et je vais faire, bah boum. Construire un mur. Je vais juste m'occuper de faire ce qu'il me demande. Hein. Mur. Une chambrante? Une chambranle? Ah, j'imagine que tu veux dire ça. Hein. Ouais. Le sélectionneur de pièces de bâtiment. Copier des pièces du bâtiment, ce qui vous permet de construire bien plus rapidement. Appuyez sur Middle Mouse, tout en ciblant une pièce. Ok. Bâtir davantage de murs. Ouais, mais avant de bâtir des... Ah, d'accord. Oh, mais c'est trop bien. Oh, mais c'est génial. Ça veut dire que ça, je peux pas, parce que... Bah oui. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Donc ça, ce que je peux faire, c'est... Déplacer. Ok. Je peux faire... Oh, c'est trop bien. Il me faut du bois et des pierres. Ok, on va miner et on va s'occuper de tout ça. Bon, parfait, hein. Très intuitif en fait, c'est juste que j'ai fait n'importe quoi hein, au tout début. Mais c'est tout con. C'est juste tout con. On récupère plein de ressources quand on... comment ça s'appelle? Quand on mine et quand on... Quand on coupe des arbres et tout, c'est en quantité assez énorme. Ce qui fait que tant mieux, hein, vu que ça nous demande 95 bois et autres... Un peu chiant de se retrouver à... Je peux en taper deux d'un coup? Je sais pas. Pourquoi j'ai de la viande putride? Ah, ma viande est passée, je crois. Je me posais la question, mais... La viande a périmé. Yes! Donc il y a bien un système de... C'est la question que je me posais aussi dans le premier épisode. Est-ce qu'il y avait un système de péremption? Voilà. Des aliments. Et oui, ça peut pourrir. C'est péremptoire, hein, comme qui dirait. Voilà. Bon, hop, raté. Bam. En vrai, je peux pas le déplacer. Oh, c'est dommage ça. Je peux pas, ouais, non, ok. Bon, qu'est-ce que tu veux? Afficher une sélection. Construire un plafond. Ouais, mais j'ai pas terminé. En fait, je voulais faire des... Bon, c'est pas grave, hein, mais je voulais faire ça, là. Des trucs avec une petite fenêtre, au moins, quand même, s'il vous plaît. On est pas des sauvages. Mais Mais on va dire qu'il y en aura pas, hein. On va mettre une là, au pire, hein. Voilà, tant pis. On va faire ça. Ça, ça. Bon, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Un toit. Donc, hop. Toi, toi, mon toit.
toi, mon tout, ou ah. Non. Oui, je crois, je sais pas, à l'aide. Comment? Comme ça? Non, j'ai. Hein? Ouais, non, comme ça, hein, je pense, hein? Ouais, je sais pas. Ouais, comme ça. J'en ai pas assez. Et c'est dommage. Il nous faut des fibres. Range ton truc, calme-toi. Oh, elle est belle ma petite maison! Allez! Allez, ramassons des fibres. Ok. On en ramasse plein, de toute façon il m'en faut plein d'autres. Salut Coupinx! Qu'est-ce que vous avez tué là? C'est quoi ça? Ah. Bah rip hein. Yes. And. Yes! Ah oh, c'est pas un plafond! J'ai fait un toit, j'ai pas fait un plafond. Je suis deg. C'est ça le plafond. Oh, quoique! Fabriquer une porte. En vrai, peut-être, hein. Porte. Il faut de la ficelle. Ouais, non, mais putain. 5 ficelles. Fibre. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, mesdames et messieurs. Bonjour. Non, ok. Bon, là ça devrait suffire. Allez. Ah, mais c'est les autres qui se sont battus, j'ai compris. Donc là, porte. On a dit. Raté. Porte. Porte. J'ai dit. Ah putain, ficelle! Bah oui, hein. Ouais, fabrique en 10, au pire, on sera tranquille. Tadatata! Les caisses en bois sont un excellent moyen de stocker vos possessions. Savoir. Et donc maintenant, non. Là, débloqué. Oh là là, mais pff, ouais, voilà. Bon, faisons une caisse. Quoi? Ah, fabriquer à l'aide de votre marteau de construction. Pas non. Pilier. Marteau de quoi ça? Marteau de construction? Marteau de réparation? Hein? Comment ça? Attendez, j'ai raté un truc. Savoir. Mais c'est bon, on l'a appris. Là, fabricant de boîtes. Fabriquer à l'aide de votre marteau de construction. Oui. Eh ben. Qu'est-ce que j'ai branlé encore? Qu'est-ce que je peux faire avec cette porte? Supprimer, déplacer, désactiver la fermeture automatique, annuler, interagir. Ah non, c'est bon. Donc du coup, inventaire de construction. Oui. Je veux faire une caisse. J'ai pas de caisse, hein. Je suis pas con, hein.
Qu'est-ce que what the fuck? Qu'est-ce que j'ai raté encore, putain? Mur, plafond, pilier, porte, cadre, tout ça. D'accord. Tout ça, on le connaît. On le connaît tout ça. Deux secondes, je reviens. Hop, je suis de retour, désolé mesdames et messieurs. Alors attendez, parce que l'IRL qui se pointe, rien de méchant, tout va bien, mais il faut que je fasse un truc. Hop. 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 Ok. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est good. Bon alors du coup, on en était, oui, voilà, il fallait que je fasse ce putain de coffre, moi. Cadre de lit, ça débloque tout ça, je m'en fous. C'est pas ça en fait, peut-être, hein. Apprenti maçon, on n'a pas. Il faut qu'on débloque ça, peut-être? Récupérateur? Fondation, mur. Ça, c'est des trucs en débris. Compagnon maçon, non, mais ça, c'est trop dur, je pense. Un maître maçon, maçon aquilonien. Wouah! J'avais pas fait gaffe! Oh! Couvreur frontalier. Oh là là. Ah, mais c'est des DLC tout ça. Oh, les petits bétières. Les petits bétières. Ah ouais, donc tout ça on n'a pas accès en fait. Ah oui, d'accord, c'est le jeu en DLC Power. Bon, ok, je vois le genre. Même ça on peut pas en fait. Ok. Bon, ça c'est des trucs de couvreur. Très bien. Ça c'est les clôtures. Les étais, les palissades, des trucs et toutes ces conneries, là, je m'en fous. Donc ça, je l'ai déjà à l'apprenti maçon. On est bien d'accord parce que j'ai débloqué tout ce bordel. Donc du coup, maintenant, s'il vous plaît, nom d'un cul, survivaliste, outil en pierre, c'est pas là-dedans. Non. Métal stellaire. Cuisine primitive. Ok, fabricant de boîtes, gros coffre. Je peux pas. Et ça, bah, je peux pas, visiblement, je comprends pas. Cette caisse en bois. C'est pas là? Je l'ai raté peut-être. Hein. Peut-être que je l'ai raté. Hein. Récupérateur, compagnon, maçon. Ça c'est en brique. De toute façon, je peux pas le débloquer. Ça, je peux pas le débloquer. Ou c'est déjà fait, en fait. Ça, c'est bon, ça. Tout ce qui est en vert, c'est ce que j'ai. Je pense que je l'ai déjà en fait. Faiseur d'esclaves. Ah oui, quand même. Je pense que je l'ai.
Un cogneur. Ça, c'est les trucs de guerrier, ça, c'est les trucs d'archer. Ça coûte zéro, tout ça. On est débloqué, non? Vu que ça coûte zéro. Ouais, on débloque, vu que ça coûte zéro. D'accord, donc ce qui est en vert, c'est ce que je connais, ce qui est en rouge, c'est ce que je ne peux pas faire, et ce qui est en orange, c'est ce que je pourrais débloquer. Donc là, il veut pas que je crée, mais techniquement, je suis censé pouvoir le faire. Une caisse en bois. Accéder à une caisse en bois ou en placer une. Mais il veut pas, hein, parce que j'ai pas les trucs là. Et si je laisse appuyer sur F. Ah mais putain, c'est là, atelier d'artisanat, décoration. Je suis trop con. Caisse en bois. Putain, je suis trop con. Je viens de comprendre. Désolé, hein. Mais non, mais. Mais non, oui, c'est bon. Je suis juste trop con en fait. En fait, c'est là. Il faut de la ficelle. Qui m'emmerde là? Fumez-le! Il est en train de mourir en fait. Bah. Non, pas toi, pas toi. C'est bon. Ok, j'avais pas vu. Donc il me faut de la ficelle. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Je me disais quand même, c'est étonnant. Ah putain, il faut de la fibre. Fuck. Mais en fait, c'est tout con. C'est tout con. J'avais mal lu. Désolé, mesdames et messieurs, ça a dû être hyper rageant. Il y en a plein qui ont dû dire, mais putain, Goltor, t'es trop con! Ce qui est pas faux. Ok. Bon, ça sert moins, hein. C'est bien, on a une réserve de bouffe juste à côté. Et eux, ils m'en veulent pas si je prends les œufs? Ou c'est juste les mères qui m'en veulent? C'est ça? Ouais, c'est ça. C'est juste les mamans. Dac. Donc, hop, hop, fibre, j'en fais 10. Donc du coup. Du coup, mon petit coffre en bois. Ouais, bon, il est pas droit, mais merde, hein. Je l'ouvre. Et voilà! Parfait! On peut poser ça, on peut poser ça, on peut tout poser en fait, hein. Le journal en cuir aussi, la fibre, les cailloux, tout ce qui est pas indispensable. Est-ce que je peux décaler? Non, je peux pas. Ouais, ok. Bon, ça on s'en fout peut-être, hein. Du bois. C'est génial! Miam, miam, miam. Je peux pas. Chair humaine. Je sais pas. Bras tranchés. Ok. Bizarre l'ambiance, mais. Et la ficelle. Ok. Nickel. Et donc maintenant, ça y est, j'ai terminé ce périple-là et je peux partir sur un autre périple. Genre le guerrier, l'archer, le pionnier. On va faire le pionnier, hein. Activer le périple. Il n'est pas vraiment tant qu'il ne comprend pas un lit. Débloquons les lits. Recette essentielle, je vais pas me faire chier, c'est directement affiché là-dedans. Pas. Construction. Fabricant, couvreur, clôture. Non, c'est pas là, c'est survie, je crois. Ouais, c'est ça. Cadre de lit. Débloqué. Yes. Placer un lit à l'aide du marteau de construction. Encore. Un lit. Voilà. Recette lit. Waouh. Il est gros le lit. Il me faut 20 pots, 40 bois, 5 ficelles. Les pots, je les ai. C'est con que ça me les garde pas par contre. Pots. Bois. On va prendre ça parce qu'il me faut de la ficelle. Putain, là, le bordel quand même. C'est assez. Ok. Et ramassons ça. Ok. Là-bas, ça s'enjaille. Vous inquiétez pas, j'arrive, hein. Ok. On est bon. Tout ça, c'est pas de la. Des fibres. Il en faut masse, hein, des fibres. Hein.
Je me rends compte que c'est assez dingue. Je peux pas en récupérer à partir de là? Non. Là non plus? Non. Ça repousse assez vite, me semble. Ok. Bon, hop. Oh, une petite maison, bien sympathique, hein, tout à fait pittoresque. Hein. Donc du coup, on reprend notre marteau, on fait ça. Et ça va me dire non parce qu'il me faut deux ficelles. Raté. Non mais va-t'en. Ficelle. Un. Ok. Donc ça c'est bon. Home, sweet home. Interagir. Voilà. Les torches et lanternes aident à repousser les ténèbres pendant la nuit. Vous pouvez les éteindre en interagissant avec elles. Vous pouvez débloquer le porteur de torches à partir du menu des savoirs. Porteur de torches. Torches. Débloqué. Donc du coup, inventaire, torche, torche. Non? J'ai fait que torche là, j'ai pas fait porteur de torche. Débloqué. Voilà, en fait il fallait torche pour ensuite faire porteur de torche. Placer ou porter une torche. Torche, hein. Ça, on va dégager ça. Voilà. N'hésitez pas à égayer votre foyer à l'aide de meubles et d'autres éléments de décor en fonction de vos goûts personnels. Genre, on va ranger ça. Vous pouvez débloquer la fabrication de meubles. Fabrication de meubles? Carrément? C'est dans la déco, ça? Fabricant de meubles. Non. Ça ne doit pas être ça. Si? On dirait pas, hein. Je peux pas là, j'ai pas accès. Ça doit être dans la survie alors. Fabricant de boîtes, non. Recette essentielle. Compagnon maçon, décoration. Fabricant de meubles. Si, hein, mais il veut pas. Hein. Faut que je sois niveau 14, je crois. Et je suis pas level 14. Eh bien, c'est ça le problème. Religion. Hôtel d'Ymir. Oh. Achète froid de givre, glace, flèche en éclats de. Waouh! Ah ouais, il y a pas mal. Ah ouais, donc les divinités, ça sert à quelque chose. Place du plaisir. Ah putain, désolé! Toujours un éternuement à chaque fois. Attribut, on va monter ça déjà. Voilà. Donc on a débloqué ce truc. On va augmenter, je pense, notre agilité. Ok. On voit à quel niveau je suis. Je suis niveau 9. Ah ben voilà! C'est pour ça en fait que je peux pas faire plus de trucs, il faut que je sois plus fort. Ok. Donc là maintenant. Ça, pourquoi pas. Et donc du coup, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est me balader un petit peu, commencer à tuer des gens, ce genre de truc, quoi. Te déplacer, ouais, toi, te mettre un peu plus propre, s'il vous plaît. Ou alors je mets juste devant le lit pour faire style. Voilà. Vous me connaissez, hein, je suis un peu chiant avec le rangement. Hop. Tu bois. Ça, je m'en fous en fait. Les insectes, pourquoi pas. Des branches, des pots, des fibres, des graines, ça je garde, cuisse rôtie, chair humaine, que j'en ai à foutre, viande putride, ça va dégager, grosse larve, je sais pas quoi en foutre, je vais la foutre là, moi je vais la manger, tiens, miam, 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 ça ok, ça je vais garder, ça je m'en fous, ça je vais garder, ça je vais garder, j'en suis où là? On est bien sur tout, ouais, c'est génial! Donc là en fait, pour pouvoir continuer, il faut que je level up. Pour que je level up, il faut que je tue des trucs. Let's go. J'ai pas. Attendez, je vais vérifier quand même que j'ai pas. Ah, peut-être sinon, il faut que je regarde les périples.
du guerrier. Esquive, coup de pied, fabrique un brise-crâne. Attaque puissante. Bouclier, bloquer une attaque. Ah, pas mal, hein. On a l'archer. Ok, en fait, il faut que je fasse les tutos, je pense. Hein. Récompense puissante arc de chasse. Récompense bande de main de bagarreur. Voilà, nécessaire de survie. Là, on aura caisse en bois renforcée. D'accord. En fait, il faut suivre les trucs. Ok. Ouais. Clôture, escalier. J'aimerais bien faire ça. Et puis ça. Et puis ça. Je vais me dire, Goldor, arrête de tout débloquer comme un gros con, putain. Tu vas le regretter après. Mais non. Ça va. Faire ça. Ah, cuistot. Nouveau périple du cuistot. Excellent. Et donc là, si je dis pas de conneries, si je fais ça. Et si je fais ça, je peux aller dans stockage, lumière. Ah ouais. Pièce de construction, atelier d'artisanat, et voilà! Je peux faire un grand foot camp! Ok. Ok, alors là, par contre, mesdames et messieurs, la hype est totale et absolue. Allons tuer des choses! Faut level up. Peut-être même faire un truc, hein, genre ça. Dans ta gueule. Peut-être pas dans ta gueule en fait. Faut viser, je crois. Hein. Ouais, je crois. Hein. Bouc. Aïe. Eh, t'as pas le droit de me bouc. C'est moi qui bouc. Bouc. T'es chiant. Bouc. Bouc. Allez, à ton tour maintenant. Tiens. Tiens. T'es pas le seul, Gérard. Bouc. J'ai dit. Oh, comment c'est trop fort, la lance. Allez, chais. Qu'est-ce que t'as? C'est à moi, tout ça. C'est quoi, je récupère ta peau, même. Toi, qu'est-ce que t'avais? T'avais rien du tout. Déceptionnitude. Par contre, ma lance, je l'ai balancée où? Par là-bas, je crois. Elle est où? Hey! Esquive ça, ouais? Ouais, magnifique, ouais. Ouais, magnifique, ouais. Ouais, génial, hein. Ouais, ouais, hein. Hey! Je vais me soigner. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Tout est à moi, en tout cas. Viens dans ta gueule. Bon, je voulais récupérer ma lance, mais so long, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense que so long. Hein. Je pense que je l'ai envoyé se faire foutre à 300 bornes. Bon, toi. Yes. Impeccable. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Teinture. De la teinture. Bon, chair humaine, en fait, on s'en fout, hein, je pense. Hein. On est tellement bien. Et ça on peut pas détruire. Non, c'est du décor. Vu les marques de frappe. Oh, un maillet en pierre. Ma pioche elle va péter. Ça va péter. Il me faudrait des branches pour en faire une autre. Donc là ça y est, on est parti. Je vois qu'il y a des poissons, je pense qu'on peut pêcher. On est parti en mode exploration, je dirais. Je pense qu'à partir de là, ça y est, on se balade un peu où on veut, on fouine. On est où là? On est là, on a mis notre campement ici. Là, il y a des gros trucs, c'est quoi? C'est une capitale? C'est... Oh, la map, elle est gigantesque, hein, en tout cas. On va aller par là-bas. Donc il faut que je tue des choses et que je survive, hein, tout simplement. Dans ta bouche.
Ouais, non mais... C'est pas ça que je voulais faire. Ouais, je sais, ouais. Voilà, à ton tour. Maintenant que l'autre il est mort... Tiens, tiens, aïe! La lance est très fort, hein. Dans tous les jeux comme ça, c'est très très fort la lance, hein. Ah. Ça marche? Ça marche. Ok. Faut que je me fasse des bandages, faut que je fasse un arc, enfin tout ce genre de conneries. Vous savez ce que je vais faire là? En fait... Oh, putain, mais c'est déjà quasiment la fin de l'épisode, bordel. Je vais aller là. On va essayer d'aller là-bas. Vous savez quoi? Allez. On va tracer, mesdames et messieurs, et on va voir ce qu'il y a dans ce gros truc orange là-bas au fond. Ah, il y a des trucs là. On va voir ce qu'il y aura. Ce qu'il y aura, ce qu'il y aura, ce qu'il y aura. On va voir un petit peu. Parce que là on a tué tout ce qu'on avait vu un petit peu par là. Il manque des grosses chauves-souris et des trucs du genre qu'on a pu apercevoir au tout début. Ah là, il y a un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais c'est un vautour! Ça fait mal cette merde ou pas là? Non, ça se casse. Ça se casse. Putain, on n'est pas à côté hein! Oh, la taille du bordel! T'es mal à la taille du... Pas du rat hein, pour le coup, du croco. Oh. Vous allez dans l'eau? Vous allez pas dans l'eau. C'est un peu con pour des crocos, mais... Waouh! Il est énorme! Ça, c'est le roi des crocos, ça. Oh, il a trois têtes de mort, le bordel. Ouais, salut. Hein. Ouais, non, mais moi, j'ai aquaponé. Faut... Vous savez que... Ouais, non, j'ai pas le temps. Hein. C'est trop stylé! La taille du bordel! Excellent! Enfin, excellent, hein. Laissez-moi tranquille, mais excellent, quoi. Salut. Ok, c'est un lynx? Puma? Lapin. Qu'est-ce que c'est que cette merde là-haut? J'arrive pas à voir. Coyote? Ouais, c'est un coyote. Enfin, un genre de coyote dégueulasse, hein. Il va venir? Il est reparti se mettre en position. Bon, on est où là? On est là. Faudrait virer à gauche. Ou alors aller tout droit. Bon, le bestiaire se comment s'appelle, s'étoffe. Ça fait plaisir. À la fin, mange ça. Ok, waouh, qu'est-ce que c'est que cette merde? Des genres de caribou en caillou. Des caillibrous. Ok, ça a l'air d'être par là. Hein. Oh, olé. Bizarre l'ambiance ici. Ah mais c'est ce qu'il y a là-bas au fond? Putain mais la map, vous avez vu tout ce qu'on... On a à peine fait ça? J'ai envie d'aller voir. Hein. J'ai forcément envie d'aller voir. Pas ça là-bas, parce que c'est trop loin, mais le truc là-bas au fond. Mais si je comprends bien, il faut aller là. Et passer par ce pont, ou un truc du genre. Donc il faudrait qu'on... Ah, ça a l'air d'être la merde. Hein. C'est pas amical, ça, j'imagine. Ah non, ça c'est des hyènes. Hein. On va essayer de les esquiver. Hein. Parce que là, je suis armé d'un poil de cul. Qui sert de cure-dent. Donc, bof. Oh, c'est trop... Oh, bonjour.
Un éleveur? Baroupe? Baroupe. Bon, les ennemis sont assez lents. À moi les œufs. J'arrive sur Yoink. Ouais, c'est un éleveur, hein. Très clairement. J'ai vu qu'il y avait des plantes qui poussaient petit à petit. Oh là, oh là, oh là! Est-ce que c'est une grande cité? Je pense. On peut passer par là. On peut passer par là et remonter. Oh, ça a l'air d'être gigantesque! On va voir ce qui se passe là-bas et on arrêtera là, mesdames et messieurs. Oh, c'est pas des cailloux normaux, ça. Ah, c'est du fer! Ok. Forcément, il y a des ressources différentes, hein, tant mieux. Bon, on a vu plein de bestioles différentes, assez énervées pour certaines. Le croco, là, gigantesque. What the fuck? Et on n'a pas tout vu, hein, clairement. Hein. J'essaie de vous montrer un petit peu pour voir un peu aussi ce qu'il y a, mais... Mais on va forcément passer à côté de pas mal de choses. On va récupérer notre rendu. Hein. Voilà. Il y a ça là. Bon, le jeu est assez généreux de ce que je vois. Hein. C'est-à-dire que les ennemis te sautent pas dessus en t'explosant ta gueule. Ils aggro pas à 350 mètres. Ils sont pas plus rapides que toi. Si tu sprintes, tu peux t'enfuir. Et puis ils te lâchent assez rapidement. Donc c'est agréable. Ouais, c'est tout ça là-bas. On est obligé de passer par là-bas. Je pense, hein. Hein? Oula! Ça a failli être un accident, ça. La map, elle est ultra grande de dingue! Apparemment, on aurait aussi tout un système où on peut... La route... Mais tiens, j'allais en parler, justement. C'est ça, hein, c'était ma phrase. On peut récupérer des esclaves, les faire bosser pour soi et tout, apparemment. On a vu la roue là qui transforme les gens en esclaves, mais il y a tout un système à débloquer avec. Donc ce serait là-bas. Mais là on peut pas y rentrer, c'est un cul-de-sac. C'est là-dedans que je veux aller moi. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de... On est obligé, hein. La taille du bordel. Oh, wow. C'est cool de voir des grandes maps comme ça aussi. Ça fait plaisir. Ouais, c'est bien ça. Quoi? Ça va pas de meuf. Oh putain, la taille de... Oh, la belle araignée là. Oh, merci l'araignée, tu m'as fait découvrir un passage. C'est bon, on peut monter en fait. On n'est pas obligé de se taper tout le chemin. Un bec. Oh. Waouh, mais c'est trop stylé! C'est trop bien! Putain, mais ce jeu, il est fou! J'en avais entendu parler, mais... En fait, malheureusement, hein, c'est un peu triste, mais j'en ai entendu parler parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait... striker leur chaîne Twitch, YouTube et tout ça à cause de ce jeu, à cause de la nudité qu'il y avait en fait dessus. Donc c'est un peu triste, hein, malheureusement, mais c'est c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que tu joues un jeu, ben, on te tape dessus parce que t'as joué au jeu. Oui, mais il y a des trucs nus dessus. Oh, ça va, hein, vous savez comment vous êtes fait les gens. Ouais, mais non, voilà, la nudité c'est honteux. Je pense que ça serait bien qu'on évolue un petit peu dans ce sens-là, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Du moment que tu as une chaîne, que ce soit Twitch ou YouTube, où ça te dit contenu avec où il faut que ce soit un public averti, bah, tu devrais pas être emmerdé hein, par rapport à ça. Ah mais attendez, ça servait à rien? Ah si, on est rentré. Tu devrais pas être emmerdé par rapport au fait qu'il y ait de la nudité ou pas. Parce que, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un dinosaure? What the fuck?
Ah, la taille du bordel. Qu'est-ce un dragon? Enfin, un bébé dragon. Après, Osef en soi, hein, ça fait pas le jeu, hein. On s'en fout qu'ils soient pas ou pas les gens, mais si c'est le cas, bon, on devrait pas être emmerdé pour ça, quoi. Au bout d'un moment. Oh, les scorpions! Il fait chaud de ouf en fait ici! On est où là? On est là-bas. En fait, c'est des ruines, c'est pas une capitale, c'est des ruines. La taille du scorpion! Un scorpion, je pense qu'il me one-shot bien comme il faut, hein. Cité sans nom. Parce que bref, pour terminer sur l'aparté, on a les publicités où t'as plein de gens qui ont des orgasmes pendant qu'ils mangent un yaourt ou qu'ils prennent une douche. T'as quasiment la moitié des gens qui se foutent à poil et qui sautent sur d'autres personnes parce qu'elles ont un parfum ultra stylé. Bon. Va falloir arrêter la mauvaise foi, quoi. Les gens, ils sont en mode, oh mon dieu, c'est honteux. J'ai vu un pénis ou des seins. Est-ce que je peux vérifier ton historique internet? Ah, non, pourquoi? Bah, pourquoi? Alors arrêtez, hein! Casser les couilles en disant, oh mon dieu, il y a de la nudité. Après, attention! Faut protéger les enfants, ça je suis d'accord. Mais oh, waouh! Corruption en os. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des démons. Oh, c'est trop stylé! C'est juste beaucoup trop classe. Découvert des archives. Moi, je suis en train de m'enfoncer quelque part, je sais pas où, mais j'y vais, hein. Bon, de toute façon, c'est pour tester, hein. Bibliothèque du savoir ésotérique. Oh là là! Ah ouais, non, bah, ok, d'accord. Niveau décor, c'est quand même. C'est un boss? C'est un boss? C'est un boss? Dis-moi que c'est un boss. Dis-moi que c'est un boss, je vais te fumer, hein. Je vais te fumer le boss, hein. J'ai pas peur de toi, hein. J'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. Oh! Ah mais non, mais c'est une map! C'est la map! Bonjour. Tiens. Non. Oh, t'es pas drôle, hein. Eh ben, hein. Ah, j'ai remarqué que la courbe. Ouais, ça c'est l'œil de Sauron. La corruption. Voyez en haut là? Ma barre de santé max et d'endurance max a été réduite. Bon, c'est trop stylé. Jeu trop bien en fait. Le jeu est beaucoup trop bien. Le jeu est juste excellent. Point faible, excellent. Ouais, vous voyez mes barres là? Regardez comment elles descendent. Max endurance et max PV qui diminuent fortement. Bon, mais je suis content. Le bestiaire est bien développé. Il y a masse truc. Y a des squelettes. Alors, est-ce que les squelettes sont durs à tuer? Ah oui, hein. Pas qu'un peu. Hein. Ah ouais, non, mais je me fais fumer. Hein. Ouais, bah oui. Hein. Forcément. Hein. Ok. Donc là, je suis estropié. Hop là! Alors? Je vais me faire fumer ma gueule, moi. Ah oui, je fais des sauts de merde, du coup, vu que je suis estropié. Ouais, c'est ça. Bon, on teste un peu, hein. Adieu, hein. Ah non. Est-ce qu'on peut faire un petit peu le. Oh, ça va, hein. Ouais, ça va, on peut abuser des hitbox du jeu. Eh bien, quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, c'est une excellente découverte. J'apprécie énormément. Le jeu est juste excellentissime. Je vous le conseille grandement. Hein. Je sais pas combien il coûte après, je vais être très honnête, hein, vu qu'on me l'a offert. Je suis désolé, hein, je peux pas vous dire. Ah, hop là. Mais franchement, je vais regarder. Hein, mais il y a tellement de jeux, c'est ça le problème, quoi. J'aimerais vraiment, mais. Aïe, non, hop là. Je vais voir ce qu'il y avait là-bas. Plus là avec Diablo qui arrive, avec Summoners War Chronicles, avec World of Warcraft, avec la fosse à esclaves. D'accord.
Il y a tellement de choses. C'est abusé, hein. Tellement de bons jeux. On est régalé, hein, en ce moment. On fait des très belles découvertes. Bon, je vais mourir, hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est imminent. Je vais juste essayer de me balader, voir s'il n'y a pas... Ah, il y a des mecs en haut aussi, carrément, là-bas. Voir s'il n'y a pas d'autres trucs. Bassin de reproduction. Ouh, le joli bébête! Bon allez mesdames et messieurs, on va se faire croquer par cette bestiole. Je vais mettre un gros dégât, j'espère que vous êtes prêts. Esquive into. Tiens, 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 tiens. Je suis trop fort. Bon, allez. Eh bien, c'était la découverte donc de Conan Exile, un excellent jeu, excellent, 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 vraiment. Bon, je me suis fait tuer par la mer rouge, j'aurais préféré la mer noire, mais ça marche aussi. Effectivement, tout à coup, là, les ennemis qui sont là paraissent extrêmement faibles. Hein. Notre référentiel de difficulté a bien changé. Bon, ben encore merci en tout cas à Steph qui m'a fait découvrir ce jeu. Bah, il va falloir que j'y joue forcément du coup. Et je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas hein, si jamais vous aimez ce genre de jeu à y jouer. C'est très agréable en main. Ça répond super bien. C'est très beau. C'est très propre. Donc parfait en fait. Juste parfait. Hein. Vraiment nickel. Hein. Ah. Il y a des petits moments de lag par moment. J'en ai eu 3 en plus de 2 heures. Mais putain qu'est-ce que c'est stylé. Hein. C'est vraiment stylé. Allez, sur ce, moi je vous fais des gros bisous. C'était comment? Non. 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 Allez, c'était... Non. Merde, comment? Oh! Je peux me mettre accroupi. J'ai pas fait gaffe. Eh oui, pour attaquer dans le dos. Pour être en mode discret. En mode ninja. Ok, putain, j'avais pas vu. Donc il y a tout un système aussi de furtivité et tout ça. Mais je voulais faire les emotes. Ah, voilà. Bonjour. Salut. Allez, à plus. Oh, bah il fait un vrai salut militaire. Ça veut dire quoi, ça? Bah, coucou, du coup. Bah, je préférais le salut des hommes. Allez, je me casse pour de bon. À la prochaine. Ciao, ciao. Hop là.